Salut, aujourd'hui première vidéo sur ma chaîne, on va parler des home trainers, donc entraîneurs à la maison en français. Déjà, c'est quoi un home trainer? Alors, un home trainer, ça permet de s'entraîner chez soi, à faire du vélo, à parcourir des kilomètres. Il existe trois types de home trainers. Premier type, les home trainers à cadre, c'est un home trainer où l'on fixe la roue arrière sur la monture. On n'a pas besoin de travailler l'équilibre car le vélo tient tout seul. Il coûte entre 100 et 300 euros. Il y a un système avec une petite manette qui permet de simuler une montée ou une descente. Deuxième type, les home trainers à rouleau. C'est un home trainer qui est très facile à installer, il suffit juste de poser le vélo dessus et à commencer à pédaler. Il faut travailler l'équilibre car le vélo ne tient pas tout seul. Il ne peut pas simuler de montée ou de descente, il coûte entre 200 et 400 euros. Troisième type, les home trainers connectés. Ce sont des home trainers qui, grâce à une application, ils peuvent vous faire simuler un parcours avec des montées et des descentes. Ils coûtent entre 300 et 1300 euros. Vous pouvez acheter tous ces home trainers sur internet ou en magasin. Si vous avez un petit budget, je vous conseille le InRide 100 chez Decathlon à 100 euros.